Eh bien, salut tout le monde, c'est Kenzo. Et aujourd'hui, on est avec Anto et on viole un golem dans un coin. Bon, non, plus précisément, on va vous parler des règles de Kill the Killers saison 1. La saison a déjà été tournée, donc là, on vient juste de la finir. Donc, on ne vous spoil pas qui a gagné, bien sûr. On était 3 avec Anto Killzombie, moi-même et Ludo01ACG. Je vous mettrai leur chaîne dans la description pour que vous alliez les checker, pardon. Et on va vous parler des règles. Alors. Et donc, alors, quand on a spawné, il y avait un coffre avec un gems dedans, une pomme en or, un stack de flèches, un œuf de creeper et un œuf de vache. Comme bonus pour démarrer, chacun a eu ça. La pomme d'or, nous n'avions pas le droit de la manger. C'était comme sur PC, quand vous pouvez voir les KTP de Hypierre et tout, quand quelqu'un meurt, il drop une pomme d'or, mais cette pomme d'or servait à ça. En gros, on n'avait pas le droit de la manger. Ça, le PVP a été activé à 1h15, tout simplement aussi tard parce que régénération naturelle et conserver inventaire se sont désactivés à 1h15 pour que l'on puisse tout simplement aller dans le Nether, etc. Potion niveau 2 interdite et potion de poison interdite. Après, toutes les autres potions acceptées. Et voilà. Hein. Donc là, c'était juste pour vous expliquer les règles. Et on va directement enchaîner sur l'épisode 1 qui a déjà été tourné. Et sur ce, je vous dis à la fin prochaine. Et n'oubliez pas d'aller checker les chaînes de mes camarades. Oh non, putain, je l'ai tué! Regarde! Non! Bon, allez. Sur ce, je vous laisse sur la mort du golem et sur un jonglage de fer. Allez, salut. Yo tout le monde, on se retrouve pour le premier épisode de la saison 1 de Kill the Killer en compagnie de Ludo. Ça va Ludo? Donc là, on joue à 3. Donc c'est du 1v1v1v1. Sauf que Anto va être un peu seul avec ses viewers, donc il va rester les deux premiers épisodes de son côté et moi je reste avec Ludo. Hop. Un peu de bois. Donc Ludo, le PVP, en gros le moment où on peut se taper est activé à 1h15 parce que si on l'active imaginons à je sais pas moi à 20 minutes et que quand ça va inventer on l'enlève à 1h15 ça sert à rien parce que l'inventaire on va pas le récupérer tu vois. Hop, 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 hop. Donc je pense que ça va être assez marrant là, le 1v1v1v1. Surtout si on se retrouve tous au même endroit. Ouais, t'inquiète, de toute façon ce sera je pense 0-0. Mais en fait on va pas vraiment se donner de coordonnées. C'est celui qui trouve les autres, tu vois, il se bat, tu vois. Genre imaginons je trouve Anto Kill Zombie en creusant, en minant ou quoi au bout d'une heure 15. Mais en fait je le tue direct. Hop.
veux, tu me crois si je te dis que j'ai eu un village là direct? Parce que je vois pas de forge là malheureusement. Mais bon, au niveau de la bouffe, ça va être cool. Je pense que niveau bouffe, je suis plutôt pas mal là. J'ai 37 patates. Donc ça comme ça. Je parle du pain de fou. Aïe putain. Faut que je fasse attention à pas prendre trop de dégâts. Ouais. Bon, attends, parce que je vois un désert à côté de moi. Et ça me perturbe, donc je vais aller l'explorer parce que dans le désert, il peut y avoir des temples et tout. On va prendre la carte. Ok. Je sens que je vais avoir de la chatte aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Bon, je suis content en tout cas d'être avec toi Ludo, ça fait plaisir. Comme ça au moins si ça te plaît, tu pourras revenir dans les saisons prochaines. Bon après... Ah ouais, t'as pas du tout de bouffe là? Ouais, pas assez pour t'en servir quoi.
Du bois, hop. T'es dans quel biome toi, Ludo? Ah ouais, forêt, genre c'est pas bien pour les arbres et pour les la bouffe en hein, forêt. Bah écoute Ludo, je crois moi je vais rusher le laser en fait. Je te le dis comme ça parce qu'on est potes, tu vois. Parce que faut juste que je me fasse un stuff en pierre. Bon, je sens que je vais me faire déglinguer. Hein. Ouais, il est très très chaud. Mais bon, je vais essayer de la jouer safe. Hein. Comme on dit, qui ne tente à rien, à rien. Là, si je pourrais me, là, si je pourrais me faire les popos, là, ce serait juste énorme en fait. J'ai vu deux, trois grottes avec un peu de fer, donc je vais prendre le fer des grottes. Ouais, je pense que ça pourrait être pas mal de rusher le nether là. Parce que je pense pas que Anto de son côté il va y aller comme ça aussi. Cache parce qu'il est pas trop fan du nether. Donc là, ça pourrait me faire un bon petit avantage. On va essayer de voir ça. Hop. Il y a peu de fer ici. C'est là-bas. Yes. Alors les gars, peut-être que je joue pas très safe là, mais j'essaye de me dépêcher. Après, Ludo, n'hésite pas à péter l'œuf de vache. Hein. Parce que j'ai mis ça parce que avec Anto, tu sais, des fois on joue ensemble. Il y avait vraiment, mais quand je te dis pas de bouffe, c'est pas de bouffe. Donc c'est pour que minimum, tu vois, on ait un steak, tu vois. Au moins un steak en démarrant. Parce que vraiment, c'est pas pour abuser ou quoi, mais des fois avec Anto, on faisait des parties où il n'y avait pas de bouffe, quoi. Plein stuff, ça dégage, ça je garde. Bah écoute là ça commence plutôt bien pour moi.
Toi, ça va, Ludo? Tu le sens bien là? Ah, c'est cool ça. Bon, ça va. Tac.